Voici l'attaque d'un porc-épic. Quand une personne est frappée de cette façon, l'épine se détache de sorte qu'elle reste coincée dans sa victime. Le bout de chacune de ces épines est plus pointu que le bout d'une seringue. Si nous regardons de plus près, vous verrez la structure qui fait que l'épine ne sort pas facilement. Je n'imagine pas la douleur qu'éprouve ce chien.